Salut mes petits loups. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire tirée de l'album Les belles histoires de mes 3 ans. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Petit chat noir a peur du soir. Petit chat noir est tout noir, de la pointe des oreilles au dessous des pattes. Quand vient le soir et qu'il fait nuit noire, Petit chat noir n'ose pas sortir. Il pense « Dans le noir, personne ne va me voir. Si je me perds, qui me retrouvera ?» Quand vient le soir, Petit chat noir regarde ses frères et sœurs partir dans la nuit noire. Petit chat noir aimerait lui aussi connaître la forêt et les hiboux et les lucioles dont ses frères et sœurs parlent quand ils rentrent. Alors, un soir, Petit chat noir les suit. Il est fier et un peu ému. La lune ronde, blanche et magnifique, éclaire la nuit. Le vent souffle légèrement. Les nuages passent devant la lune et tout à coup, la lune s'éteint. Petit chat noir ne bouge plus. Ses frères et sœurs continuent leur chemin. Il se sent tout petit, si seul dans le noir. De peur, Petit chat noir ferme les yeux. C'est alors qu'il entend une toute petite voix qui dit « Qui est là ? Qui est là ?» Petit chat noir répond d'une toute petite voix aussi « C'est Petit chat noir ?» Et il entend encore « Tu ne vas pas me faire de mal ?» Petit chat noir répond « Bien sûr que non !» Et là, en ouvrant grand ses yeux de chat, il se rend compte qu'il voit très bien dans le noir. Et tout près de lui, Petit chat noir voit un lapin. « Que fais-tu là ?» demande Petit chat noir. « Je suis perdu, » répond le lapin. « Je ne vois rien dans le noir, sauf la lumière de tes yeux. Je voudrais tellement retrouver mon terrier sous les fougères. » Et le lapin se met à pleurer. « Ne pleure pas, » dit Petit chat noir. « Je les vois, moi, les fougères. Ton terrier ne doit pas être loin. » « Viens avec moi, je vais te raccompagner. » Ça y est, le terrier est retrouvé. Le lapin remercie Petit chat noir 100 fois. Et maman lapin et papa lapin le remercient 100 autres fois. Ensuite, Petit chat noir ne rentre pas. Non, pas tout de suite. Il part à l'aventure dans la nuit, où il voit très bien et où on le voit de loin. Petit chat noir n'a plus peur du soir. Et voilà, cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à regarder mes vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt sur Pique-Nique Douille.